Donc je me présente, Sylvie Lafoisse, je suis agricultrice à Pékeuse sur une ferme céréalière de 185 hectares avec 6 hectares de diversification en maraîchage. La particularité de notre ferme, c'est qu'on est passé en agriculture biologique en 2009. Donc gros changement dans nos pratiques culturales. Pourquoi on est passé en agriculture biologique? Plusieurs raisons. Une raison économique, certes, puisqu'on ne voulait plus être dépendant de l'industrie par le biais de l'achat d'engrais, de phytosanitaires. Donc ça, c'était un point important. Le point de vue, bien sûr, environnemental, travailler sans intrants chimiques, mais aussi plus dépendant des cours de la bourse, des financiers, avec des ventes sur des bouchers locaux qui nous garantissaient des prix stables, quels que soient les aléas de nos grandes instances financières. Donc le résultat a été spectaculaire, puisque on a fait plus de 40% d'économie de charge, même plus que ça. Et que ce qu'on a perdu, on va dire, en rendement dans notre production céréalière, du fait qu'on l'a vendu plus cher, ça a compensé largement. Donc, si on avait très peu de bénéfices au préalable, le bénéfice, en fait, c'était les économies de charges qu'on avait fait par le biais de l'agriculture biologique.